Donc déjà c'est plusieurs types de danse, donc on va avoir du hip hop, on va avoir de la dance, on va avoir des cours élantes. En fait ce cours, il te permet d'apprendre sur une musique du moment en plus, des mouvements qui soient en rapport avec la danse, etc. Et tu peux te lâcher. Ces chauffages sont des thèmes différents, ce qui nous permet d'aborder des styles de musique complètement différents, et donc des styles de pas différents. Et j'adore tous les styles de musique. Donc ça me convient tout à fait. Voilà, ça me permet d'aborder vraiment, je dis, la salsa, du contemporain, du jazz, du hip-hop. Franchement, il y a vraiment de tout. Et ça permet même un apprentissage, même pour celles qui ne connaissent pas, en fait. C'est génial, quoi. C'est complet. On va au départ avec un début de choré, et puis petit à petit, grâce à nous, on arrive à avoir une choré intégrale. Chaque chorégraphie qu'on apprend, pour moi, elle est là pour passer un message. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à s'y retrouver dedans. Il y a une harmonie qui se crée avec toutes nos différences. C'est ça qui est sympa. Moi, je suis dans un fauteuil roulant. C'est vrai que malgré tout, il reste quand même une harmonie. En fait, Nathalie, en plus, elle décompose super bien ses pas. C'est-à-dire, quand on apprend une choré, c'est vraiment bien décortiqué et c'est abordable. Enfin, tout le monde peut venir, quoi. Pour créer une cohésion, déjà, il faut que notre groupe soit vraiment lié, il soit vraiment fort. On vient sans se prendre la tête, sans se dire je viens juste au sport et après je m'en vais. C'est vraiment, je viens dans ma deuxième famille et c'est le top. Que chacun a sa place. On se fait de la place mutuellement. On essaye d'être. D'être ensemble tout en étant chacun soi-même. Honnêtement, je n'avais jamais fait de danse avant de venir chez Viva Tennis et j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait, ce qui me plaisait, et puis avec une équipe sympa. Je pense qu'aussi on est là, c'est pour s'amuser et puis on est motivé, on motive aussi les autres aussi. Donc c'est un moyen aussi de s'évader la danse. On passe un beau moment, quoi, voilà, on sort de tous les tracas, enfin les tracas quotidiens, je veux dire, on arrive là. Et là, c'est la musique, c'est la danse, et là, on passe dans un autre monde. On va dire qu'il y a toujours un moyen de s'amuser, de danser, de prendre plaisir. Et c'est surtout ça, de prendre plaisir à le faire. Et l'avantage, c'est que justement, ça permet de garder du dynamisme, ça permet de garder le physique et en même temps de faire travailler sa tête. C'est pas compliqué, il faut juste venir s'y mettre et après, voilà quoi, c'est que du bonheur. Don't believe me, just why? Don't believe me, just why?